Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Vox Days Luxembourgeois du Bruyant. Bon, ça fait un peu répétition parce que j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça l'année d'avant et l'année d'encore avant, mais s'il vous plaît, un peu plus de bruit. Ah là là, c'est mieux. Donc bienvenue, alors je vais vous faire quelques petits slides introductifs, mandatory, tout ça, puis vous raconter un peu la vie de tout ça. Et après, on va commencer directement avec la keynote. Donc bienvenue à tous, au nom de toute l'équipe de Vox Days Luxembourg. Bon, je ne vous fais pas forcément l'historique, mais je vous le mets là. Donc si un jour ça passe sur YouTube ou quoi que ce soit, vous ferez pause et vous regarderez. Non, blague à part, donc c'est la troisième édition cette année. On est assez content que ça se passe bien. Chaque année, on augmente le challenge, le nombre de participants, le nombre de sponsors aussi. Vox Days, donc, c'est une franchise qui a lieu à Luxembourg, mais qui a lieu dans plein d'autres villes d'Europe et d'ailleurs. C'est toujours des événements qui sont faits par les communautés de développeurs locales avec des tickets relativement abordables et du contenu de grande qualité. On peut d'ailleurs dire bravo aux speakers. Il y a 14 événements Vox Days, donc si vous voulez un peu voyager, n'hésitez pas à les regarder, il y en a un peu partout. Et ça fait partie de la famille des conférences des Vox aussi, hein. Donc c'est des conférences de plus locales, on va dire, pas par pays. On va dire. L'organisation, l'équipe a passé, c'est une équipe qui donne beaucoup de son temps personnel pour l'organisation de cet événement. Donc c'est initialement l'équipe qui est l'équipe du YAJUG, donc du Java User Group, même si en réalité Vox Days, même si ça part de la communauté Java, ça s'étend à beaucoup plus que ça, c'est un peu plus généraliste. Et donc n'hésitez pas à aller parler avec les gens de l'équipe, ça fait plaisir, on est des êtres humains. Et vous nous reverrez à la keynote de fin tous ensemble à nouveau. Cette année, on a 17 sponsors qu'on remercie grandement. Deux sponsors Platinum, donc Sphere et Expertise, merci beaucoup pour votre support. Sans les sponsors en général et les sponsors Platinum en particulier, c'est impossible de faire un événement avec le niveau de prix qu'on a là et avec la qualité d'animation qu'on a aussi dans les couloirs, dans les travées. Hein. C'est toujours sympa d'aller voir les stands des sponsors qui sont là pour vous en mettre plein la vue. On a 12 sponsors gold cette année et 3 sponsors bronze, qu'on remercie évidemment grandement aussi pour leur support. Il faut que je tienne le micro plus haut. C'est mieux comme ça ? Vous êtes sûr ? Parce que du coup, vous m'entendez en fait. speaker cette année, on avait 200 soumissions de talks à lire, à parser, à analyser, à choisir, pour avec un comité de 15 personnes. On a retenu 38 conférences et croyez-nous, c'est un crève-cœur d'enlever les autres. Et on a 50 oratrices-orateurs, parce qu'il y a des conférences évidemment où il y a plusieurs orateurs, dont la keynote par exemple, qui va suivre. Et il y a vous, cette année, 500 personnes. Bravo à vous. Hein. Ils s'applaudissent eux-mêmes, c'est génial. Et l'évolution est constante, 300 la première année, 400 la deuxième année, 500 la troisième année. Voilà. Le programme, bon, vous avez des programmes papier pour ceux qui veulent les voir. Il est disponible sur l'application VoxRin 2, sur Android, iOS et en version web. Sur les mobiles, prenez plutôt les versions app que la version web. Si vous avez une tablette ou un ordi, la version web marche bien. Et sinon, les versions papier sont disponibles à l'accueil. Hein. Tout est filmé, sera disponible la semaine prochaine normalement sur notre chaîne YouTube, peut-être même avant, mais nous on a un peu d'édition pour changer les titres, mettre les noms des speakers et tout ça dedans. Donc c'est ça qui prend juste un petit peu de temps, sinon l'équipe technique de Beveren qui fait la captation vidéo va très très vite. Les pauses donc à 10h, à 15h, à 17h, juste après la keynote, une quinzaine de minutes. Faites attention pour les pauses courtes de 15 minutes de bien retourner dans les salles après, de ne pas louper le talk suivant. Attention, pendant la pause repas de 12h30 à 13h30, manquez pas les quickies qui sont des petites présentations de 15 minutes, en général très efficaces, bien menées et tout. C'est dans les salles, vous pouvez emmener, vous avez des pasta box pour le repas, vous pouvez emmener les pasta box dans les salles pour aller regarder les présentations, donc n'hésitez surtout pas, c'est très important. Vous avez tous eu normalement un sac du conférencier à l'entrée avec les goodies, normalement un jeu de cartes aussi, qu'on a fait faire exprès. Merci aussi aux gens de Commit Strip. Donc c'est un jeu de cartes classique, sauf qu'il n'est pas classique. Pour ceux qui l'ont déjà ouvert, il est chouette. Il y en a un par personne, n'hésitez pas à aller chercher.
le schedule papier, on l'a pas mis dans le sac en fait. Là, j'ai mis ça, on l'a mis à disposition donc, pour que vous puissiez en avoir quand même à la caisse au cas où. Ce soir, meet and greet à 20h30 à la brasserie, Wenzel près de l'abbaye Neumünster. Donc, c'est l'esplanade de l'abbaye Neumünster. C'est sponsorisé par IBM et il y a une navette. Si vous avez pas reçu le mail, il y a une navette qui part d'ici, qui va jusque là-bas et qui revient ici à 1h et quelques du matin. Donc surtout, vous pouvez la prendre à l'aller, mais pas forcément au retour. Si par exemple vous logez en ville ou que vous reprenez le train de là-bas, elle est à disposition. Après, si vous la loupez, il y a le bus 175 et d'autres bus. Tous les bus sont gratuits le soir de la fête nationale, donc vous pouvez circuler en ville avec les bus. En revanche, si vous êtes véhiculé, pour ceux qui ne sont jamais passés en ville, n'essayez pas d'approcher trop la ville en voiture, quoi. Garez-vous plus loin et prenez les bus. L'année prochaine, alors, il ne vous échappera pas que l'année prochaine, on fait toujours le 22 juin, la veille de la fête nationale. L'année prochaine, c'est un samedi. Je ne vais pas faire un sondage énorme en disant que je ne pense pas que vous viendriez tous un samedi. Donc, on va probablement le faire le 21 juin. On a encore à définir la formule. Et donc, on va faire une annonce un peu d'ici l'automne, cet été ou à l'automne, de la manière dont ça va se passer. Il y aura peut-être une autre manière de procéder. On verra bien. En clôture, il y aura une keynote par Nicolas Deloff qui va être qui est le gars qui s'auto-apprécie beaucoup. Et a raison. Donc partez pas en avance, c'est vraiment dommage de louper la keynote, ça va être assez festif. D'ailleurs, t'as pas le choix.